mais ce ne sera peut-être pas un mensonge pour toujours. Tu es le New Maker. Tu peux transformer Care NLM en Care A et boucler la boucle. Visiblement, le jeu nous dit qu'on est le New Maker, donc que le personnage représenté par le joueur est Reiner, donc le New Maker. Soit c'est une référence à New Maker évidente et donc au Rebirthing, il faudrait faire renaître Care pour qu'elle soit plus heureuse et moins déprimée, peut-être donnant cette impression que Care serait adoptée. Ou alors, on prend New Maker au sens littéral, dans le sens où on peut créer du nouveau, et donc faire que Care soit heureuse à nouveau. Également, une fois Care NLM capturé, on observe la présence de ce bloc avec ce pattern, qui est celui de la salle de peine dans l'autre Care, montrant donc bel et bien qu'il y a un lien entre ce tapis roulant et l'état de Care. La vidéo coupe et reprend sur Paul devant la librairie d'enfants. Il pose Care NLM dans la machine, en le déposant, un texte apparaît, disant « Vous avez décidé de quitter Care NLM. Si vous changez d'avis dans les 6 prochains mois, vous pouvez reprendre Care NLM. » Il la met dans la machine et va ensuite dans sa chambre en mettant son visage sur la toile et Care NLM est sur le lit. Ainsi, il la recapture. Les choses deviennent un peu plus abstraites, mais vous inquiétez pas, ça va devenir bien pire dans le futur. Petscop 10 sort le 31 mai 2017. La vidéo commence dans l'autre Care.